voies qui nous conduisent au pays mosellan, choisissons celle de la belle Lorraine. Voici la ville aux portes d'or, Nancy, sa place Stanislas, dont la grâce royale tranche sur l'Austéritz. De ses églises. Et de ses fortifications. Une large inflexion de la Moselle et nous arrivons à Thionville. Son beffroi dresse sa silhouette en vedette sur des siècles d'histoire qui font surgir le nom de la place forte de Rodemark, dont l'enceinte crénelée livre passage aux plus paisibles des occupants. Celui de Mont-les-Bains. Toute l'étendue de stations thermales. Mais halte, voici la frontière franco-luxembourgeoise. Et par les rues et avenues, nous nous dirigeons vers le domaine balnéaire. Donc voici l'entrée. Le pavillon Renaissance qui appelle le regard. Recèle la source Marie-Adélaïde. Une promenade la relie à la salle jaillissant d'une profondeur de 740 mètres. Dirigeons-nous maintenant vers l'établissement thermal. On y trouve le traitement des affections du foie, des intestins, de la nutrition. Sudation. Douche. Diathermie. Massage, bain, inhalation. Pulvérisation à l'eau thermale en constitue les soins principaux. Mais voici le baigneur rendu au parc, où la salle de lecture s'offre à son délassement. Ou bien la palmeraie. Et le solarium pour une cure d'air et de repos. L'architecte André, le digne émule de Lenôtre, qui est l'auteur de ce parc,
rappelle le mot de Bacon, disant que Dieu, le premier, planta un jardin. Et que c'est bien, en effet, le plus pur des plaisirs humains. Le spectacle varié que nous avons devant nous ne fait que le justifier. Le calme du parc permet aux malades d'y goûter le repos bienfaisant. Et les sports les plus divers, les jeux permettent aux convalescents comme aux enfants de se distraire agréablement. La terrasse ou en plein air et dans les salles des fêtes donne vue sur une scène de verdure. Les représentations empruntent de cette ambiance un caractère esthétique particulier. Jugeons-en par ce décor nocturne. Charme du parc. Harmonie du jardin à l'anglaise et de l'ordonnance française. Mondorf-Eta prouve que le Grand-Duché de Luxembourg est le pays des roses.